Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui, petit bolide assez sportif, une citadine, une petite compacte assez énervée, la Cupra Leon en version berline. De cette façon, elle existe en deux versions. Aujourd'hui, on l'essaye en 300 chevaux. Ceux qui ont regardé la chaîne et qui connaissent bien la chaîne depuis quelques temps, on a déjà essayé la même config à peu près, sauf que là-dessous, on avait un moteur hybride. Cette fois-ci, on a le 2 litres 300 chevaux. Donc comme d'habitude, on va faire un essai complet. Je vous la présente en détail de l'extérieur, de l'intérieur. Alors un petit peu moins en détail puisqu'il y a déjà eu la Cupra Leon. Mais on va quand même faire un petit tour. Je viens d'avaler un moustique. Un petit tour général de la voiture. Et ensuite, essai routier, donc un petit essai un petit peu sportif, voir ce que ça donne. Je ne vous cache pas que je l'ai fait avant la présentation. Et ça marche plutôt bien. Le châssis est quand même assez cool. Par contre, on verra, il y a 2-3 petits trucs. Bon, voilà. C'est parti, on commence par l'extérieur. Bon alors, sur l'avant, surtout avec ce bleu pétrole mat, je trouve ça sublime et ça fait vraiment ressortir toutes ces lignes assez réaffûtées là partout. Je trouve que... Alors, ce bleu, je trouve qu'il va le mieux sur le Formentor, qu'on a essayé également sur la chaîne en version 300 chevaux, donc avec le même moteur que ça. Celle-ci, je la vois plus en gris mat ou d'une autre couleur. Après, c'est vrai que la couleur est juste sublime. Par contre, à l'entretien, bon courage, amusez-vous, parce que la moindre trace d'eau ou autre, ça se voit dessus, mais quand c'est propre, c'est juste magnifique. Bon, ici, le triangle, comme on retrouve sur la Leon, sur les autres Cupra, c'est vraiment distinctif qu'on retrouve des deux côtés. Donc, c'est du LED, ça passe en clignotant lorsqu'on tourne. On a des feux, bien sûr ici, du full LED. Des anti-brouillards en LED également. Ici, donc, on n'a pas d'entrée d'air, c'est juste pour faire joli. Donc des deux côtés, on a une lame assez haute, donc là c'est du plastique, et là on a des rappels couleur carrosserie partout. Cette petite lame ici, qui est peinte en gris brillant, qui rappelle le cerclage de la calandre ici. Au centre de la calandre, on a le petit logo Cupra, donc avec une sorte de fond carbone. Donc c'est pas du vrai carbone, mais avec ce logo bronze. On retrouvera ce logo aussi à l'intérieur. Ici, ça c'est le détecteur donc, pour toutes les aides à conduite qui va avec la caméra ici. Les aides à conduite, c'est une option. On a la conduite de niveau 2, donc maintien dans les lignes, centrage de voie et régulateur adaptatif. Moi, ça joue, le conseil vraiment, c'est un gros plus. Et pour les gens qui vont acheter ce véhicule, pensez que dans quelques années, ce sera beaucoup plus démocratisé. Le jour où vous revendrez, ce sera quand même un plus de la voie. Les rétros, même couleur que les petits rappels ici. Donc, il y a des petites touches un petit peu partout qui sont sympas. Mais ça là, c'est doux, touché, j'adore. Là-dessous, on aura plusieurs choix de motorisation sur ces Cupra. Hop. Donc aujourd'hui, on a le 2 litres TSI 300 chevaux. Alors, il existera une version hybride 204 chevaux avec les petits moteurs 1,4 litre, une version 1,4 litre 245 chevaux en hybride qui, eux, auront des DSG6. Là, on est sur la version 2 litres TSI 300 chevaux et sur la version break, puisqu'il existe une version break de cette Leon Cupra qui aura, elle, le 2 litres TSI 310 chevaux. Et sur ces versions 300 et 310 chevaux, on retrouvera la boîte DSG7. Au niveau de la puissance, le couple, on trouvera 400 Nm ici sur ce moteur 2 litres. Alors, on va aller chercher assez loin quand le turbo charge. On verra pendant l'essai que le turbo met un petit peu de temps à charger. Par contre, une fois qu'il est chargé, ça tractionne bien. Donc pareil, au niveau de la traction, donc, on a une traction, pas de 4 roues motrices ou pas de propulsion, c'est une traction juste ici avec un différentiel assez spécial. Sur le différentiel, c'est pas un différentiel mécanique, c'est un différentiel électronique avec multidisque. Donc ce qui permet en fait la répartition à gauche, à droite, électroniquement, ça va gérer indépendamment, pas comme un différentiel mécanique où quand on va vraiment accélérer et tirer, ça va vraiment partir de l'avant là où vous voulez. Là, ça va gérer pour motricer le mieux possible et adapter en fait la roue de gauche et la roue de droite. Donc ça, c'est pas plus mal. On verra pendant l'essai que ça marche plutôt bien. On a fait un essai dans des conditions au top, hein, sec, chaud, pneu chaud. Ça accroche plutôt bien. Regardez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je fais le petit essai sportif sur la fin. Bon, par contre, j'aurais quand même bien aimé des petits vérins. Le capot est quand même assez lourd. Hein. Sur le côté, comme je disais, donc des petits rétros comme ça, donc qui rappellent les couleurs qu'on a à l'avant. Et ensuite, une ligne assez simple qui rappelle quand même la Seat Leon, puisque de base, hein, c'est une Leon. Du noir un peu partout. Donc là, on a du noir brillant.
pas de chrome sur cette voiture, c'est pas bling bling, surtout avec ce mat. Le noir, c'est ces sortes qu'on fait des black packs un peu maintenant chez toutes les marques, c'est plutôt cool. Les jantes, on a ces jantes. Si aujourd'hui, on a 6 possibilités de jantes qui, comme la peinture, on aura pas mal de choix. Le mat, c'est 2000 euros en option. Les jantes, on sera entre 500 et 900 euros à peu près, selon les jantes que vous voulez. Ce qui est bien chez Seat, c'est qu'on a très peu d'options. Ça, j'ai bien aimé, le catalogue d'options est très réduit. Donc concrètement, les prix, on commence à 38 000 euros pour cette version et on va jusqu'à 41 000 euros. Plus si vous ajoutez quelques options, vous allez en avoir pour 3 à 4 000 euros maximum. C'est bien que ce ne soit pas comme une allemande où il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'options. Sur les Cupra, il y a déjà quasiment tout qui est intégré. Donc au niveau des jantes, on a soit du 18, soit du 19 pouces et on aura une option assez spécifique donc qu'on n'a pas aujourd'hui. Là où on a des freins siglés Cupra, mais on pourra avoir des freins signés Brembo qui seront bien plus puissants avec des disques assez ajourés et surtout surbol qui coûtent 2400 euros supplémentaires environ sur ces versions. Et on pourra avoir aussi un pack extérieur VZ, donc c'est pour Veloz, je ne parle pas du tout espagnol. Ou la Veloz, c'est pour la rapidité, la vitesse, qui donne un look aussi un petit peu plus agressif à la voiture. Des poignées type frigo intégrées juste ici, des vitres surteintées à l'arrière. On a aujourd'hui un petit toit ouvrant sur l'avant, on peut avoir toit panoramique et ouvrant également. Sur le côté ici, la trappe à essence, donc on mettra de l'essence seulement. Elle n'existe pas en version diesel, donc c'est soit essence et hybride rechargeable. Et ici, on y mettra 50 litres. Ici, ce qui est magnifique, c'est, regardez, ici, là, cette partie qui fait le triangle comme à l'avant et cette grande bande LED qui traverse toute la voiture. Ça, je trouve ça juste sublime. Et ça fait partie aussi des voitures qui sont beaucoup plus premium de nos jours, avoir ce grand bandeau lumineux comme Porsche l'avait lancé. Sur le haut, toujours, c'est très long béquet ici. L'essuie-glace, bien pratique. Le badge Cupra, avec marqué ici Cupra. On n'affiche pas le nom du modèle, on affiche le nom de la marque directement. Tout le pare-choc ici à l'arrière, tout le bouclier arrière est peint et on trouve 4 sorties d'échappement ici. Donc, c'est des enjoliveurs d'échappement, mais par contre, il y a 4 vraies sorties d'échappement. Ça ne fait pas comme certaines marques qui vous mettent ça, il y a juste un petit tube au milieu. C'est pas que pour la déco, il y a 4 vraies sorties. Et là, on a un beau diffuseur qui est toujours peint, couleur carrosserie avec juste un petit bout de plastique qui encercle les échappements ici. Mais par contre, là c'est peint. La caméra de recul juste ici. Et vous voulez que je vous fasse écouter le son d'échappement ? Non, je vous montre d'abord le coffre, ensuite je vous fais écouter ça. Le coffre, ici. Ce qui est bien, c'est qu'on a un grand coffre, il est très profond, regardez. Ça s'enfonce donc de tout ça, juste ici. Le coffre, on a 380 litres de chargement. 380 litres. Regardez. Il y a vraiment de l'espace. Dans une petite voiture de cette façon, je trouve ça quand même agréable. Et il y a un petit peu de place. Un petit bac de rangement de ce côté-là, pas de ce côté-là. On a les fixations top taser, on a la trappe à ski juste ici. Est-ce qu'on a une prise 12 volts ? Pas de prise 12 volts dans ce coffre, mais de quoi mettre des filets également. C'est pas mal. Est-ce que là-dessous, on a quelque chose ? Et là-dessous, on a une galette. Ça, c'est vraiment top parce qu'on en trouve de moins en moins. Galette avec le cric et de quoi resserrer ses roues. Franchement, bon point là-dessus. Puisque les galettes, vraiment, ça se fait de moins en moins. Je vous fais écouter le son, je vous la démarre. Donc vous allez voir, il y a des clapets, il y a plusieurs modes. Clapet fermé, clapet ouvert. Je vous pose le micro ici à l'arrière. Et encore, on ne peut pas dépasser 4000 tours minute lorsqu'on est à l'arrêt en position parking. Ça, c'est pas plus mal pour éviter de faire des gros rupteurs et ça évite d'abîmer le moteur pour rien. Allez, je vous fais l'arrière. Donc, on rentre très facilement. C'est ultra accessible. Il y a énormément de place. Regardez, le siège avant est réglé pour moi. Moi, j'ai fait 1m80. Regardez l'espace que j'ai encore. J'ai de l'espace pour les pieds. J'ai de l'espace au coude. Je suis vraiment bien. Ici, c'est creusé, même quand je me mets super droit, je ne vais pas forcément toucher, juste les cheveux vraiment, mais il faut que je me mette hyper droit. Je suis bien installé, les sièges ont l'air de maintenir
correctement. C'est assez ferme mais confortable en même temps. Il y a une sorte de mousse assez molle sur le dessus et plus ferme en dessous. J'ai ici du plastique, du cuir, une finition qui est plutôt jolie. On a les haut-parleurs Beats ici, donc on a les haut-parleurs là et là. Le siège avant est tout en cuir. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il est tout moelleux de partout, même à l'arrière, et on peut voir ici à travers. J'ai la clim tri-zone, donc je peux régler ma température ici. Deux ports USB-C à cet endroit-là. Un énorme accoudoir central, quand je vous dis énorme, il est juste énorme. Très moelleux, ça c'est un plus. Par contre, on a deux portes gobelets ici, donc on passe du moelleux au plastique. Mais on est vraiment bien dessus, il est vraiment énorme. La trappe à ski que je peux ouvrir juste ici. Hop, les sièges que je peux rabattre. Donc, on a cette banquette en deux tiers, un tiers. Alors, pas de plancher vraiment plat, puisque là, c'est un petit peu plus bas, comme il est vraiment profond. Mais là, on a un espace de chargement juste énorme. Donc, les fixations Top Taser juste ici. Fixation ISOFIX sur les deux sièges des côtés qui sont bien cachés à travers le cuir. La troisième ceinture juste là. Des LED, deux LED de chaque côté. Ça éclaire bien. Si vous les regardez, ça pique les yeux, les LED. Et ici, gros tunnel central. Par contre, ça, c'est un petit peu dommage. Il faut bien l'enjamber. Et ensuite, cette place ici, qui est confortable également. Toujours pas mal. Le dossier qui est un peu plus dur, qui n'est pas forcément un vrai dossier, puisque c'est un accoudoir. Mais ce n'est pas le plus désagréable des accoudoirs. Des poches juste ici. La place pour mes pieds. La place pour mes genoux. À l'arrière, même pour une grande personne, c'est pas mal. Et regardez, la ceinture ici est accrochée dans une petite pince. Ça, c'est top. Ça permet, lorsqu'on rabat la banquette, de ne pas bloquer la ceinture derrière. Ça, pour moi, c'est un gros plus. Bon, allez, à l'avant et on va rouler. Allez, hop, sur l'avant. Hop, donc je m'installe facilement. Donc, j'ai un siège électrique ici. Pas de siège électrique ici. Alors ça, vraiment, c'est quelque chose, j'ai du mal. On pourrait franchement mettre les deux. Ma position de conduite, je suis plutôt bien. J'ai vraiment donc tous mes réglages, hauteur, lombaire, tout ça. Donc je peux le régler comme je veux, l'avance, etc. Le volant, pareil, réglable en profondeur et en hauteur. Donc ça vous permet de trouver la position adéquate. Et ensuite, on est pas mal. La couloir ici, que je peux régler comme je veux. Alors là, c'est peut-être un petit peu haut. Hop. Mais voilà, j'ai une position correcte, je peux me mettre assez bas. Moi, j'aime bien conduire assez bas, là, je suis au plus bas. Et ça donne une position un peu sportive. Alors, j'aurais peut-être aimé un poil plus bas, afin que la caisse ait un caractère un poil plus sportif. Mais après, ça reste une Seat, donc qui peut être une voiture vraiment de tous les jours. Les sièges, comme vous voyez, là, ça maintient super bien. Les bourrelets, là, sur les côtés sont énormes. Regardez. Enfin, moi, je rentre. Si je rentre bien le ventre, je ne suis pas très épais, hein. Mais ils maintiennent super bien. Pareil, ça remonte assez haut ici. Par contre, gros avantage de ces baquets, c'est qu'ils sont assez moulins et on rentre facilement dedans. Il y a certains, par exemple, la Mégane RS, c'est hyper dur et hyper contraignant de monter dedans sans les abîmer. Là, c'est plutôt facile. Bon, allez, je vous fais point de vue d'ici. Alors, bienvenue à l'intérieur. Tout est éteint, c'est le calme avant la tempête. Regardez, là, j'ai reculé les sièges à fond. Je touche même pas les pédales. Si vous êtes grand, vous pouvez être gigantesque, vous pourrez conduire cette voiture. Donc, allez. Je démarre ici. On met en route tout ça. On a une petite animation avec le petit rappel qu'il y a du Beats. Et ici, donc un écran. On a donc deux écrans. Celui-ci qui est pour tout ce qui est conduite. Et ici pour tout le reste, tout ce qui est divertissement et autres. Hop. Alors, la clim. On va couper la clim. Alors, ce qui est embêtant, c'est la clim. Par exemple, il faut aller dans des menus. On peut juste régler la température ici, mais on ne peut pas régler la puissance directement. Il faut toujours passer par l'écran. Bon, on commence par la gauche. Du cuir ici, là, à l'avant, c'est un peu moussé, contrairement à l'arrière, mais c'est la même texture. Joli ici, la poignée, les vitres, les rétros, du cuir. Ici, des rangements, des enceintes. Ici, de quoi régler les feux, donc on a bien sûr un mode auto, mais ensuite on peut passer sur les modes en manuel. Le mode auto conviendra forcément très très bien. Un aérateur avec le petit rappel bronze ici. Cette texture ici qui est moussée sur tout le long du tableau de bord. Les enceintes Beats qu'on retrouve également dans les montants. Les montants ici sont en plastique et ensuite on a du tissu là-haut.
Le volant avec le logo ici, pareil, donc avec du bronze qu'on retrouve avec des petits rappels sur les côtés et sur les petits satellites juste ici. Ça, aide à la conduite, régulateur, le son de la musique, régulateur avec la distance adaptatif, régler la vitesse qu'on veut de 10 en 10, ça c'est bien. Ici, alors ça, c'est pour régler l'écran derrière. On a tellement de possibilités sur ces écrans. Donc, j'ai les vues, ce qu'ils appellent. Donc, j'ai soit ce compteur, 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 soit celui-ci. Et ensuite, dans chaque compteur, je peux régler la partie de gauche et la partie de droite. Par exemple, là, je peux régler la puissance, je peux régler les aides, je peux mettre les consommations, etc. Allez, ici, je peux régler ce qu'il y a au milieu, les vitesses, les contours. Je peux retourner à droite et à droite. Je peux encore re-régler ici, plus encore rechanger. Ça fait vraiment beaucoup, beaucoup. Et je peux même avoir la carte en plein écran lorsque j'utilise le GPS. Donc ça, on le règle avec ça ici et la molette. La commande vocale, changer de musique. Le volant chauffant, on a un raccourci pour le volant chauffant juste ici. Démarrer la voiture. Et ça, c'est pour changer les modes. On voit le pédalier à travers ici. Regardez, je vous montre le pédalier juste là. Donc, pédalier à l'U avec un gros repose-pied sur le côté. On a des palettes derrière le volant. Moins et plus, donc petites, qui tournent avec le volant. À gauche, les appels de phare clignotants. À droite, les essuie-glaces. Ici, l'écran. Il y a tellement de choses à dire. Je pourrais vraiment en faire une vidéo et je vais peut-être même en faire une vidéo tellement qu'il y a de choses à dire. Et lorsqu'on approche la main, c'est pareil. Alors, il y a des menus qui apparaissent. Énormément de choses, des raccourcis, des widgets, on peut avoir des raccourcis ici, on peut avoir des raccourcis de cette façon, mais dans vos raccourcis, vous avez encore d'autres raccourcis. C'est tellement de choses qui sont énormes, et les raccourcis de la voiture avec les assistants, les drive profiles qu'on peut configurer d'ici ou par la petite touche juste ici. Donc on a confort, sport, Cupra et individuel. Individuel, on peut personnaliser tout ce qu'on veut, comme on veut. L'éclairage d'ambiance, on peut choisir les couleurs qu'on souhaite. Donc, hop, par exemple, là, je veux ça. Non, moi, j'aime bien le bleu comme ça. Alors, regardez, je vais l'allumer pour passer en mode nuit. Est-ce que ça passe? Voilà. Donc là, par exemple, j'ai du bleu qui s'est affiché tout là, tout le long. Alors, c'est plus visible de nuit. Ça, c'est au niveau des pédales. Et on a quelques éclairages un petit peu partout. Bon, ça, on le verra surtout de nuit. Et ensuite, le véhicule avec encore d'autres choses. Donc là, c'est pas disponible. Ça y est, ça arrive. Donc avec d'autres réglages. Alors, ce qui est bien et pas bien, c'est qu'il faut vraiment se faire à cette interface. Ensuite, des aérateurs. Et ensuite, vous voyez, c'est vraiment très, très simple. Ici, deux ports USB et avec de quoi mettre son téléphone avec rechargement par induction. Une petite touche, comme c'est une voiture sportive, de quoi désactiver l'ESP juste ici. Et ce petit levier de vitesse ici, donc drive. Lorsque je tire, je passe en drive. Lorsque je retire, je repasse en sport. Neutre et reculé lorsque je passe la marche arrière. Parking de cette façon. Là, on connaît parking, donc le frein de stationnement, verrouillé, déverrouillé et le auto-hold. Ici, deux petits porte-gobelets, un plus grand que l'autre. Et ici, des petits rangements avec une prise 12 volts. Et cet accoudoir que je peux régler. Donc ça, c'est top. Et en hauteur, il va jusqu'à super haut. C'est parfait. Le siège, je vous le montre. Et là, regardez, ça, moi, j'adore le Cupra ici de cette façon. C'est magnifique. Donc, ces sièges très moelleux, très confortables et qui maintiennent super bien avec ce petit trou ici. C'est joli. Là-haut, un rétro avec un bord très fin, sympa. L'éclairage ici, donc, ce que j'aime bien, c'est lorsqu'on le touche, il s'allume. Hop, c'est sensitif. On a des réglages, le SOS au-dessus. Le toit ouvrant, donc là on a la petite version du toit ouvrant. Et voilà à quoi ressemblent les sièges à l'arrière. On a une boîte à gants assez grande et la portière ressemble à ça en gros. On a une bonne rétrovision dans les rétroviseurs qui sont plutôt jolis. Alors pour l'ambiance de nuit, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, quand on ouvre la voiture, on voit que tout ça est en orange ici. Donc on rentre, même les portières sont en orange. Hop, et ça sert. Donc on voit là le bandeau LED. On a au niveau des pieds où c'est éclairé également. Et lorsque je vais démarrer la voiture, regardez, je vous montre là juste ici.
Allez, on voit que ça change de couleur. Donc là, c'est repassé en bleu comme je le souhaitais. Et pareil, donc dans les portes, là, c'est resté en orange, mais on peut personnaliser également les couleurs un petit peu partout. Donc ça, c'est quand même plutôt joli. Bon allez, c'est parti, on va démarrer ça. Et ce que j'aime bien, c'est que si j'ai démarré la dernière fois où j'ai éteint en mode Cupra, ça redémarre en mode Cupra. Et écoutez, on a quand même une petite sonorité assez sympa. Allez, c'est parti. Bon alors, on va commencer cet essai par de la ville. Donc il va y avoir de tout, de la ville comme d'habitude, nationale, départementale, un petit bout d'autoroute, 110, 130, etc. On va voir aussi sur un petit bout avec une petite route qui est très sympa, sinueuse, où on va pouvoir tester un petit peu le comportement dynamique comme on l'avait fait avec le Formentor, et voir ce que ça donne, et aussi essayer de la comparer à la version hybride que j'avais essayé, et voir un petit peu les différences. Donc c'est parti, pied sur le frein. Il y a un petit bruit vraiment sympa quand même. Et ce qui est cool, c'est que si vous l'aviez éteinte en mode Cupra, eh bien elle va redémarrer en mode Cupra. Ça c'est top, et que ça démarre pas forcément en standard. Donc, les clapets ouverts, et ça c'est plus cool. Et ensuite, vous pouvez rechanger. Donc, là on va commencer en mode standard, et ensuite on va voir tranquillement, on va évoluer. On a le mode soit standard, soit le mode sport, soit le mode Cupra, soit le mode individuel. Et ce qui est bien, c'est que dès qu'on passe le mode sport et Cupra, surtout le Cupra, on entend que les clapets s'ouvrent et ça, ça devient beaucoup plus sympa. Bon, mode standard, j'ai mon petit levier ici, hop, je tire dessus, boîte manuelle, ça m'enlève le frein à main automatiquement dès que je commence à accélérer. Donc cette voiture, elle est bien sûr un full option. On a la suspension adaptative, donc le DCC, les régulateurs, etc., toutes les aides à conduite. Boîte automatique, bien sûr. Et donc, on va voir comment ça se comporte. Hop. Alors, là, ça ne me le fait pas parce que j'ai la clim à fond. Mais sinon, il y a le start and stop. Toutes les voitures de nos jours sont équipées du mode start and stop. Ça, c'est pour les émissions. Parce qu'on gagne quelques grammes de CO2. En mode confort standard, je sens pas du tout le rétrogradage des vitesses. J'ai le auto hold aussi qui me permet de relâcher la pédale de frein. Alors ce qui est bien, c'est que même en standard, on sent qu'il y a quand même la présence d'un moteur et un petit son assez sympa et agréable. Même sans appuyer trop fort, en montant jusqu'à 2000 tours à peine. Allez. Alors, je sais pas si vous l'entendez, mais on sent qu'il y a un petit ronronnement sympa. Sinon, le passage de rapport imperceptible, hein, et même la descente de rapport, vraiment imperceptible. La boîte automatique fait super bien son job. Ça, c'est un de passer un rapport, je l'entends juste du fait du moteur. Mais sinon, il n'y a vraiment pas d'à-coup ou quoi que ce soit, c'est vraiment super fluide. Bon, pas mal. Dodan. En mode confort, ça reste confortable, comme on a une suspension qui s'adapte. Ça, c'est top aussi de pouvoir changer ses modes. On a 15 positions de confort sur la suspension, donc on peut régler et paramétrer dans les menus. Donc, ça, on pourrait le faire en individuel, mais lorsque je vais là, par exemple, Drive Profile, je peux aller dans Individual et Configuration du individual. Et là, par exemple, le DCC, voilà, j'ai tous mes modes du confort au Cupra. Et c'est assez impressionnant. Donc en confort, je peux même mettre confort plus. Là, il y a pas mal de petits défauts sur la route. J'avoue que c'est confortable, et même sur un Dodan. Bah, ça reste franchement bien. Bon, allez, hop, je me remets sur mon mode normal. Donc mon mode confort, route. Hop. C'est vraiment pas mal. Donc ça reste une voiture simple, ça reste comme une Leon au final, sauf qu'on a quand même là, ce beau volant Cupra, cette ambiance un peu plus sportive, et surtout on entend beaucoup plus le moteur. Et c'est pareil, on entend beaucoup plus le moteur que sur la version hybride. La version hybride, c'est quand même une voiture assez gentille qui pouvait être un super délit, parce que c'était super confortable,
Par contre, c'était super aseptisé. Là, c'est vrai qu'on entend tout de suite déjà un petit peu plus le moteur, alors qu'on a un mode confort. L'avantage de l'hybride, c'était ce côté hybride. L'avantage de l'hybride, c'était aussi sa carte grise à 12 euros, puisque c'était une hybride rechargeable. Mais là, on a quand même quelque chose de très sympa. Et on va voir lorsqu'on change de mode. Alors, si je passe en mode sport, hop, la réaccélération. Ah, on entend, il y a des petits pop-up. Alors, les petits pop-up sont assez légers. Dodan en mode sport, on sent que ça s'est durci déjà. En mode sport, on sent tout de suite que les petits clapets se sont ouverts et ça amène tout de suite un petit peu plus de présence moteur, et on l'entend dans l'habitacle. Allez, écoutez. Il y a des toutes petites déflagrations, des tout petits pop-up. Alors, ils sont très légers comparés par exemple à une Mégane RS ou à une Golf R. Il faut être entre 2005 et 3500 tours pour les avoir. Le rayon de braquage de cette voiture, alors ça reste une citadine de base, donc c'est vraiment pas mal. Et ça pousse correctement. Donc là on est en mode sport, donc la boîte, il y a deux modes, le mode drive et le mode sport. Et je peux repasser en drive d'une pression comme ça pour que la boîte passe les rapports plus rapidement. Donc je peux rester moteur configuration sport et boîte drive. Donc c'est pareil, ça donne un petit peu plus de répondant le mode sport. Et après c'est la boîte aussi qui va jouer sur le rapport selon sur quel régime vous êtes pour avoir plus de relance. Mais je peux mettre en normal, confort, avec la boîte sport. Et ça jouera aussi. Et ensuite il y a le mode Cupra. Donc le mode Cupra, on a un petit peu plus de présence grâce à un petit haut-parleur qui est mis sous le pare-brise ici. Alors ce qui est bien, c'est que ça fait pas du bruit et c'est pas abusé comme sur le Formentor. Mais en Cupra par contre, on a un petit peu plus de répondant quand même, ça devient bien plus sympa. Par contre, lorsqu'on est bas dans les tours, alors la seule chose que je pourrais dire, c'est que ça met un petit peu de temps à charger. Donc là, le turbo met un petit peu de temps. Par exemple, on va dire, allez, je vais mettre en 4. Je fais en 4 là. Sous les 2000 tours, il n'y a pas grand chose. Le turbo prend un petit peu de temps. On passe les 2000 tours et ça commence à pousser. Mais la seule chose, voilà, c'est j'ai l'impression de temps en temps que c'est un petit peu long. Alors que la version hybride, elle avait cet avantage, c'est d'avoir le moteur électrique qui pouvait entraîner directement, et le couple de l'électrique, c'était quand même un gros plus. Donc là, par exemple, on va voir. Je me remets en sport, boîte automatique, et on va faire un petit départ juste en accélérant. Donc là, je suis en mode Cupra, voir ce que ça donne. Allez. Alors, je suis déjà 50 au moment où je passe la deuxième. Alors, ça tracte bien. Surtout qu'on a un différentiel spécifique. Alors, c'est un autobloquant multi-embrayage avec plusieurs disques qui est géré électriquement, donc électroniquement. Alors, ça tombe les rapports très rapidement aussi. Également, ça motrise bien. Alors là, on est une journée où il fait 30 degrés, tout est bien, les pneus sont chauds, forcément, la route est chaude. Ça motrise bien. Mais je trouve que ça manque un petit peu quand même de répondant. Je trouve que c'est trop gentil sur le début, même en mode Cupra. Alors que la version hybride rechargeable, elle avait l'avantage d'avoir plus de couple au début. C'était un peu plus prononcé l'accélération au départ. Et ensuite, là ici, ça reprend plutôt haut dans les tours pour aller plus vite. Mais par contre, au décollage, au moment où ça s'arrache, je trouvais la hybride un petit peu plus punchy. Alors, on va se mettre à 50 au régulateur ici, donc bien sûr j'ai toutes mes aides. Hop, je peux me mettre en drive, je vais me remettre en mode standard. Donc à 50 km/h. Regardez, là je touche à rien. La voiture gère elle-même, elle corrige donc quand il y a des lignes. Donc on a l'assistance de niveau 2, maintien dans la voie avec centrage de voie et régulateur adaptatif. On a pareil lorsqu'on va arriver. Si on utilise le GPS, lorsqu'on va arriver à un rond-point par exemple,
à la campagne, la voiture va ralentir. Dans les virages à la montagne, la voiture va ralentir grâce aux données GPS. Ça, c'est un gros plus aussi. À 50, c'est top. On va se mettre à 70, comme c'est une petite route à 70. Alors, ça réaccélère normalement. Et là, je suis à 70. Alors, j'ai légèrement des bruits de roulement. La seule chose que je pourrais reprocher à cette voiture, alors c'est un reproche en même temps, c'est à la fois un avantage et un inconvénient. C'est les vitres sont très fines et c'est peu insonorisé. Alors, le fait que ce soit pas insonorisé, ça fait qu'on entend pas mal ce qui est autour de nous, surtout quand on est en ville. On entend pas mal. Par contre, l'avantage que ça a, c'est que l'insonorisation, c'est du poids, donc c'est un peu plus léger d'avoir moins sonorisé. Mais aussi, ça offre l'avantage d'entendre un petit peu plus la sonorité de l'échappement. Donc, c'est pas ultra présent, mais quand on ouvre la fenêtre, alors je sais pas si je peux vous le faire là, je vais me remettre en Cupra par exemple. Il y avait des petits pop-up. Ils sont discrets. Mais ça offre l'avantage, voilà, d'avoir un peu plus de présence de tout ce son qui va avec une voiture qui est un petit peu sportive. Je pense que si vous mettez une petite ligne d'échappement là-dessus, ce sera vraiment beaucoup plus sympa. Même si les clapets s'ouvrent, je pense qu'il faudrait la libérer un poil plus. Quand on prend une Mégane RS par exemple, c'est quand même déjà beaucoup plus expressif. Mais ça marche bien. On va voir surtout sur les petites routes juste après, le côté vraiment dynamique. Mais ce qui est top aussi, c'est qu'on a juste appuyé sur ces boutons pour pouvoir se mettre en Cupra, sport ou autre. Sinon, hein, la direction est très facile. C'est assisté, hyper assisté. C'est ultra léger en mode confort. Donc pareil, lorsqu'on passe en mode Cupra, la direction, elle change. Pareil, on n'a pas le même répondant. On a une direction un peu plus lourde. J'aurais bien aimé, par contre, que ce soit un petit peu plus lourd. Parce que ça reste quand même vraiment très, très assisté et très facile. Voilà, on va aller s'insérer sur la nationale et faire un petit bout d'autoroute et voir ce que ça donne aussi à plus haute vitesse. Alors, là, donc là, je suis toujours en mode normal. Donc la voiture, elle se conduit vraiment bien. Elle est facile à prendre en main. C'est vraiment ce que je dirais, c'est facile à prendre en main. Le freinage, alors ce qui est bien, c'est qu'il est vraiment souple. Il est très progressif. On n'aura pas de ah. On va pas se prendre les dents dans le volant. C'est vraiment très très progressif. Et lorsqu'on appuie fort dessus, il y a quand même un bon mordant. Hop. Et puis même en mode standard, ça accélère quand même correctement. Parce que bon, 300 chevaux, ça reste toujours sympa. Et là, j'ai trouvé une petite chose qui affiche le pourcentage de puissance utilisée, le pourcentage de couple. Là par exemple, je suis à 70-80%. En virage, la tenue de route est bien. Si je réaccélère fort pour m'insérer, ça marche bien. Et là, je suis en confort, donc pas trop de bruit. Les rapports se passent très très vite. À 90. Drive, donc la voiture en fait sa vie. Donc il y a une boîte 7 vitesses. À 90, je suis à 1600 tours minute à peu près. Ça y va bien, c'est confortable, c'est agréable. On a un petit son de l'échappement quand même qui est plutôt agréable. On l'entend si lorsqu'on la met un petit peu en charge, en contrainte, on sent voilà, qu'il y a un petit moteur sympa et surtout qu'il y a un travail de fait à l'échappement. Ce qu'on retrouvait pas vraiment sur la version hybride. Et donc là, je suis en mode confort. Lorsque je passe en mode sport, donc elle m'a tout de suite tombé un rapport. Et on sent, dès qu'on la sollicite un petit peu, elle veut y aller tout de suite un petit peu plus. Et c'est vrai que ça titille un petit peu. Et ensuite, il y a le mode Cupra. Le mode Cupra qui donne encore un petit peu plus de sonorité. Et qui va retomber encore plus les rapports pour pouvoir être vraiment plus agressif. Donc là, elle est retombée la 3 à 100. Voilà, elle est un petit peu plus fâchée. Mon châssis, dans les sièges, là, on va pas très vite, mais on est bien maintenu. Ils sont plutôt confortables. Là, j'ai passé plusieurs heures dedans déjà.
franchement, je suis bien. Ils sont assez fermes au niveau de l'assise. Au niveau d'ici, là, des bourrelets sur les côtés, ça va. C'est confortable. À part ça, pas grand-chose à leur dire. Ça se passe bien. Je me mets à 110 km/h. Là, ça va. J'ai plus personne devant moi. Ça reste plutôt confortable. Bon, comme je disais, c'est pas hyper bien insonorisé. On entend quand même un petit peu les bruits de vent, un peu le bruit de roulement, un petit peu le bruit de moteur. Et c'est ça qui donne son charme aussi à cette voiture, hein. C'est le fait que ce soit pas ultra, ultra aseptisé, ultra confort, même si ça le reste quand même assez. Hein. Bon, ensuite, on peut se mettre en mode sport. Donc, en mode sport qui retombe tout de suite une vitesse, comme je disais, et qui donne un peu plus de punch. Et c'est vrai que c'est tout de suite plus sympa. Bon. Alors, la voiture... En mode confort, lorsqu'on tourne comme ça, on sent qu'elle prend un petit peu de roulis. C'est, alors, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est pas ultra direct. On a l'impression que c'est un petit peu mou. Et lorsqu'on se met en mode Cupra, donc la Cupra, ça change la direction et ça raffermit un petit peu tout. Alors c'est un petit peu mieux, mais je trouve que la voiture elle s'appuie un peu. J'aurais bien aimé que ce soit un poil plus raide encore, surtout en mode Cupra, pour que ça donne un côté un poil plus sportif. Et l'arrière, je ne sais pas comment l'expliquer, j'aurais presque l'impression qu'il y a quatre roues directrices, tellement que ça s'appuie en fait sur l'arrière. C'est pas exactement ce que j'aurais aimé. Alors ce qui est top, c'est que ça met le petit coup de gaz lorsqu'on rétrograde. Ça, c'est toujours sympa quand ça le fait. Et c'est vrai que ça manque peut-être un poil de sonorité. Alors, en rond-point, qu'est-ce que ça donne? Ah, par contre, là je suis assez bluffé. Ça colle quand même bien la route. Regardez, là je suis vraiment couché sur le siège. Le siège me maintient bien. Hop, et en sortie de virage. Ah, ça tractionne bien par contre. Dès qu'on commence à l'emmener sur du un petit peu plus sportif, ça commence à devenir un petit peu plus sympa. Je pense qu'il faut la pousser un petit peu pour amener quelque chose à cette voiture. Parce que sinon, ça reste une bonne voiture de tous les jours, avec un peu de puissance. Mais c'est pas foufou. Alors que quand on commence à la chatouiller un petit peu, là, ça commence à devenir un petit peu plus agréable. Pareil, donc là, on va voir. Hop, elle m'a retombé un rapport. Alors, ça m'a mis un petit à-coup. Alors, j'aime bien, moi, que justement, si je mets en mode Cupra, je veux que ça me violente un petit peu. Et là, allez. Et ça motrise bien, hein. Avec ce différentiel autobloquant là, hop, non, c'est pas mal. Ça commence à devenir intéressant à partir du moment, voilà, où on la chatouille un peu. Sinon, c'est vrai qu'avant, c'est peut-être un poil aseptisé. Bon, allez, on est sur une route, il n'y a personne. Launch control. Quand on la pousse vraiment, on entend vraiment le turbo qui souffle. Ça monte jusqu'à 6500 tours à peu près. On sent le turbo. Alors ça souffle. Ça met un petit peu de temps. Alors j'aurais bien aimé peut-être une poussée un petit peu plus virile. Parce que c'est très linéaire. Et comme la boîte, on ressent rien. Parce que ça passe les rapports, mais très très vite. Regardez par exemple, je rétrograde. Alors ça pousse. Voilà, au-dessus de 5000. 4005, 5000, on a vraiment une grosse poussée. En dessous, c'est assez léger. Il faut vraiment attendre que le turbo se charge bien. Et par contre, ensuite, c'est vrai que ça y va. Et là, ensuite, on entend bien le moteur, on entend bien le turbo. Ça devient sympa. Bon, allez, on est sur une petite route où il n'y a absolument personne. On va voir sur quelques zigzags ce que ça donne. Bon, allez, full gaz. Ça met un petit peu de temps à partir, ça charge après, ça devient sympa. Dès qu'on est haut dans les tours, alors très gros freinage, ça freine plutôt bien, l'avant est plutôt précis, on sent que ça motrice assez bien, le différentiel n'y est pas pour rien, c'est sympa, comme je dis, voilà, il faut vraiment l'emmener pour que ça devienne agréable. Hop. Elle a du mal à partir de l'arrière, pourtant, même sur les freins. Ça marche.
Je m'attendais quand même un petit cran au-dessus. Alors, il n'y a que 300 chevaux. Je vais désactiver le SP, mais en le laissant un minimum. Alors, ça freine bien. Allez, on tractionne. Ça patine pas du tout. Enfin, en sortie de virage, on peut y aller. On peut réaccélérer tôt. Franchement, ça se débrouille très très bien. Ça motrice parfaitement. C'est plutôt bluffant. Ça marche bien. Alors, la motricité avec l'autobloquant, ça marche super bien. Donc, c'est pas mécanique, c'est électronique. Et au final, ça se débrouille parfaitement. Sortie virage, vous avez vu, je réaccélère pied dedans, ça marche. Full gaz. Alors, quand on va tout en haut, vraiment, le souffle du turbo, c'est bien sympa, le son. Elle est quand même bien arrivée à la route. Hein. C'est impressionnant. Et même sur les freins, j'ai du mal à l'emmener de l'arrière. C'est pas aussi joueur qu'une Mégane RS. Par contre, ça a l'air vraiment efficace. Oh, mais ça y va tout seul. Ah, il faut vraiment le vouloir pour amener l'arrière. Launch control. Oh, ça patine. Enfin, l'embrayage lâche pas comme il faut. C'est pas impressionnant. Mais oh là là. Franchement, c'est plutôt rigoureux hein, sur le châssis. Ça freine bien, ça tombe parfaitement. Ah, là ça commence à sautiller un petit peu parce que là on y va quand même vraiment fort, mais il faut vraiment la malmener. Là on a les pneus bien chauds avec la bonne pression. J'aurais mis 2.6 à l'avant, 2.8 à l'arrière. Pourtant voilà, je m'attendais sur un petit peu plus joueur, mais c'est très rigoureux. Si vous voulez l'emmener, il va vraiment falloir forcer. Alors c'est sympa, mais je m'attendais quand même à quelque chose un petit peu plus facile à emmener. Mais le châssis est très rigoureux. Et même donc avec l'ESP désactivé, la voiture motrise quand même super bien. Alors sous la pluie, ce sera peut-être plus joueur. Enfin en tout cas, ça, niveau motricité, ça patinera peut-être un petit peu plus. Mais en tout cas, sur le sec, là, avec ces conditions parfaites pour les pneus, là, qui sont bien chauds avec une route qui colle, ça motrise parfaitement. Bon alors, cette Cupra Leon en version 2 litres 300 chevaux, qu'est-ce qu'on en pense? Alors, je suis un petit peu mitigé dessus. J'ai bien aimé le fait que ce soit une turbo, donc ça marche bien. Par contre, j'ai juste trouvé le fait que le temps que le turbo charge, ça mettait pas mal de temps. Ça, pour moi, c'est le petit point négatif. Alors que lorsqu'on avait l'hybride, la 245 chevaux, bah, je trouvais que ça montait assez vite. Au niveau du comportement de la sonorité, quand on a essayé le Formentor qui faisait 300 chevaux, eh bah, j'ai préféré presque le comportement du Formentor qui était, j'avais l'impression, plus joueur. Alors ça, ça tient super bien la route, comme on a pu le voir hein, dans les virages, etc. C'est rivé au sol. Par contre, bas dans les tours, voilà, il ne se passe pas grand-chose. Il lui faut un petit peu de temps avant de pouvoir démarrer. Par contre, une fois que ça monte, le turbo souffle, ça tracte, et là, on sent qu'on a 300 chevaux. Par contre, effectivement, un petit peu bas dans les tours, j'aurais aimé un truc qui pepse un petit peu plus. Sinon, au niveau de la direction, c'est top. Le différentiel bah, fait super bien son boulot. Ça tractionne comme il faut. Au 0 à 100, c'est pas trop mal. Voilà. Alors, ce que j'aime pas, c'est, j'ai remarqué donc avec la DSG7, ce qu'on trouve hein, sur tout le groupe Volkswagen, c'est qu'au début, bah, du 0 à 30, il se passe pas grand-chose. Ça met du temps, l'embrayage, il va doucement. Voilà. J'aurais bien aimé que ça aille un petit peu plus vite. En tout cas, aux accélérations, par exemple, au départ au feu, on n'a pas l'impression que ça décolle. Il leur faut un petit peu de temps et ensuite, ça y va. À part ça, sinon, j'ai bien aimé la voiture. C'est très sympa. L'allure que ça a, c'est vraiment top. Et ça a vraiment de la gueule. Et sinon, niveau consommation, bon bah voilà, ça dépendra hein, de si vous avez le pied lourd ou pas. Cupra annonce entre 7 et 8 litres. Moi, j'étais plutôt aux alentours des 10 litres en moyenne. Alors, en jouant un petit peu, on va monter un petit peu en consommation. Ça va, ça reste un 2 litres. Sinon, à part ça, voilà, c'est pas hyper bien sonorisé. On aurait peut-être aimé un petit peu plus si on voulait une voiture un peu plus confortable. Mais d'un côté, le fait que ce soit pas si bien sonorisé, je trouve ça pas mal puisque ça, voilà, amène un petit peu les bruits du vent, etc. lorsqu'on roule un peu plus vite et on entend un petit peu plus ce qui se passe à l'extérieur. C'est plutôt bien pour une voiture qui se va à caractère sportif. Mais au final, on peut vraiment l'utiliser tous les jours, cette Cupra Leon, puisqu'elle est facile à prendre en main en mode standard confort. Facile, et la boîte de vitesse, voilà. La boîte de vitesse aussi, ça, c'est quelque chose qui est top. Donc, comme je disais, ça met un petit peu de temps à passer lorsqu'on démarre.
voilà, c'est pas instantané, c'est pas waouh. Alors qu'avec la version hybride, comme il y a le moteur électrique qui aide, c'était beaucoup plus présent et ça tractait un petit peu mieux. Mais à part ça, la boîte des G7, le problème c'est que quand on passe les rapports, c'est tellement linéaire, on ne sent pas du tout le rapport passer. Ça y va, mais c'est fluide, et j'aurais bien aimé un petit peu plus de présence, des petits à-coups, lorsque le passage de rapport s'effectue. À part ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous pensez de cette voiture, et est-ce que vous prendriez ça ou autre chose ? C'est vrai que de nos jours, il ne reste plus énormément de voitures qui soient à caractère un peu sportif et encore 100% thermique. Donc Cupra a quand même quelque chose hein, de pouvoir nous proposer en France ces voitures. Alors par contre, il y a des versions qui vont coûter cher en malus. Hein. La version 310 chevaux, elle est à 8 700 € de malus, ce qui est quand même énorme. Et pour les versions hybrides rechargeables, bien sûr, on n'a pas de malus, on peut même avoir du bonus sous certaines conditions. Cette version 300 chevaux, il me semble qu'on est à... bougez pas. C'est écrit juste là sur ma fiche que vous ne voyez pas. 2 700 € de malus pour celle-ci. Ça reste à peu près correct, mais la version 310 chevaux, effectivement, en France, je pense que ça aura du mal à se vendre. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, à mettre un commentaire, à recommander, à partager la vidéo, à regarder celle que j'ai faite sur la version 245 chevaux hybride, si vous l'avez déjà vue. Ça me fait plaisir et me dire ce que vous pensez entre les deux, puisque c'est vrai que voilà, là on a du 100% thermique, le plaisir, la conduite, etc. Et l'autre, on avait la version hybride. La version hybride, moi je la trouvais vraiment trop aseptisée pour une conduite sportive. Je trouvais que c'était vraiment pas sportif. J'avais l'impression que c'était une Leon hybride avec une belle gueule. Celle-ci, ok, on a le côté sportif, mais j'aurais bien aimé un petit peu plus, quelque chose en plus. On essayera normalement au mois de septembre la Golf 8R également, qui pour moi me fait penser un petit peu à ça, mais encore un niveau un petit peu supérieur. Donc voilà. Bon, je vous dis à bientôt. Ciao.